mais celui-là, hein. Ça y est, enfin, vous l'avez promis, l'apéro. Vous l'avez vu, j'ai lancé ma propre marque de vin. C'est beau, on a même notre propre camion maintenant. Le petit côté vintage, bien évidemment, pour le français, on est français. Et le côté moderne. Je vais donc venir chez vous, vous livrer des bouteilles. On va passer la journée ensemble, je vais vous rejoindre dans votre quotidien, travailler avec vous, vivre des expériences, et on finira par un bon apéro. Bien évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Attention, à consommer avec modération. On est donc parti pour une bonne semaine de road trip avec ce beau camion. Et à l'intérieur, on a tout notre stock de vin. On va vous rincer, les gens. Vous l'avez certainement vu sur le site, nous sommes en rupture de stock. On a donc stoppé les ventes pendant plusieurs semaines. À l'occasion de la sortie de cette vidéo, il y aura les dernières bouteilles disponibles de la cuvée 2018-2019. Après, ce sera finito. Donc si vous voulez prendre une bouteille, c'est maintenant. Il y a un lien dans la description. Allez-y, faites-vous plaisir. Et puis je ne suis pas tout seul, bien évidemment. Il faut des SAM, il faut des conducteurs, des gens qui ne boivent pas. Guillaume et Théo, Teiko, pour ceux qui connaissent, ceux qui ont la ref. Bon, là, actuellement, vous l'avez vu, qu'est-ce que je fais en pleine forêt avec le camion La Porte? Face de moi, il y a la mer. On est à la dune du Pilat. Bien évidemment, le road trip a commencé bien avant, à Paris. On y va tout de suite. C'est parti pour la Pay Road. Hop, 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 hop. 11h du matin. Le vin, c'est pas pour tout de suite. Petit verre d'eau. Bon, il y a mon petit camion qui m'attend, on va aller le chercher. Pourquoi ils ont encore emballé là? On était censé avoir l'arc de triomphe avec le camion, regarde-moi ce qu'ils m'ont fait. Bon, on va voir le camion, il arrive. Bah, les gens appellent le rover, moi j'ai mon propre camion. Non, on l'a jamais vu, on découvre le fusil. Alors ça fait quoi là la sensation? Oui, donc là on est parti pour la fête du vin. Ouais, ça c'est notre stock perso, hein, c'est pas les cartons habituels. On a des petits frigos bien évidemment dans ce camion, c'est pour ça aussi qu'on l'a pris. Mais voilà, juste comme là il va faire très très chaud. On va juste les garder un peu là, température ambiante. Voilà, comme c'est beau. On a la petite glacière bien évidemment pour ramener l'apéro. Le camion à bord qui fout la merde. Eh, c'est... Messieurs, dames, nous arrivons au terrible Arc de Triomphe. Il est encore sous blister, l'Arc de Triomphe. Ils n'ont pas encore unboxé. Et on a toute berzingue. Tu vas à fond. Ah, mais après, arrête. C'est parti pour plusieurs heures de route. Et let's go. Messieurs, dames, nous arrivons en direction de Saint-Amand. Je vais grimper dans un arbre à l'aide de mes bras et de mes jambes et d'une corde certainement. Et c'est pas des petits arbres de 1m50, non. On va rencontrer Quentin. Donc Quentin qui est élagueur de ces personnes, eh bien, je vais le dire grossièrement, mais qui monte dans les arbres et qui coupe les branches. Bonjour, bonjour. Monsieur, bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? La forme. Monsieur, votre bouteille. Merci. Je l'ai pas goûté encore. Ça t'a pas gratté un peu l'esprit là? Bien sûr que si, c'est un supplice d'avoir une bouteille et de pouvoir l'avoir. Les pauvres. C'est comme à Noël, t'as tes cadeaux avec ta tante. Tu regardes ta bouteille, elle est là tranquillement à la cave, tu la regardes. Toi, ton métier, donc c'est élagueur. Je suis élagueur. T'es élagueur, donc tu montes dans les arbres et tu coupes ce qu'on te demande de couper pour que ça gêne pas, ça tombe pas, et tout comme ça. Normalement, tu mets combien de temps pour grimper dans un arbre? Ça dépend vraiment de l'intervention. Il y a des petits arbres que tu vois, je vais faire en un quart d'heure, 30 minutes en démontage. Ouais. Ah, mais il y a déjà les cordes et tout. C'est pas trop dur, moi, c'est faisable. Après, je suis dégourdi. T'as fait une vidéo avec Mycorn. Ouais, c'est vrai. Alors, à chaque fois que je fais un truc, tu sais, les gens me disent, fais un truc avec Mycorn. Vraiment, tu peux prendre des risques. Ok, trop bien. Il est immense, l'arbre. T'as vu la taille, Guillaume? Mais gros, t'as le peu le vertige, en plus. Un peu. Ouais, là, de toute façon, t'es sécurisé, je t'ai mis à un endroit. Ouais, mais moi, j'aime. Enfin, j'ai le vertige, mais je m'en fous, quoi. Tu peux aller voir en dessous? Ouais, y'a pas de problème. Donc là, du coup, tu vas grimper sur la rouge. Waouh. Ah, ouais, gros, t'étais pas prêt. Ah, ouais, non, clairement pas prêt. Je vais monter comme ça, mais comme à l'armée, quoi. Ah, je vais taper des barreaux. Tu bloques comme ça. Waouh. Et tu montes, et dans la tu vas avoir deux heures montées. C'est comme ça. Ouais, en méthode de l'armée quoi. Et on n'est pas. On peut passer à l'apéro tout de suite Pierre. Ou admettons, je monte là, je suis à 5 mètres. Et je tombe. Non, mais y a pas de problème. À partir du moment où t'as remonté ton nœud, tu vas. Après, je m'arrête. Tu vas retomber, ça va. En gros, tu vas tomber de ça, quoi. Tu vois. Ah oui, d'accord. J'ai passé un été à manger, à boire. J'ai aucune condition physique actuellement. Il faut que je récupère tout. Je suis très à l'aise. C'est parti. Je pense vraiment qu'il va faire 5 mètres, pas plus. Genre, je le connais, là, il est pas du tout dans son élément. Fais un test sécurité pour Céline. C'est bon. Putain, rien que tenir 2 secondes, c'est très difficile. J'en peux pas des gros. Ça, je mets mes jambes en dessous de ça. Là, tu passes ta jambe droite là. Je suis dans l'accoutrement de l'élagueur. Je suis en immersion. Je suis prêt à attaquer cet arbre de 25 mètres. Tu passes un coup dans ta boucle, tu serres un peu, tu repasses un coup, t'as un bloqueur. Voilà. Ouais, je suis fort. Je défais les nœuds, je suis vraiment pas doué avec les nœuds, il y a un truc de ouf. C'est quand même chaud cette histoire là, attends. C'est vraiment là les deux premiers mètres qui vont être un peu pénibles après. Là, voilà, et là, tu pousses. Ah,
Ça fait 9 mois de formation du coup. Ok, donc là, petite échelle, je vais essayer de commencer plus haut parce que, enfin, commencer au sol, c'est vachement plus dur. Vous l'encouragez là, allez, bagarre, allez. Là, du coup, je fais quoi? Je m'arrête là? Là, si je saute de l'échelle, c'est bon? Ah ouais, c'est chaud. Faut bien penser à garder tes pieds. Ouais, c'est dur. Voilà. Ah yeah. Putain, j'avais dit qu'il allait pas aller au-dessus de 5 mètres, je suis dégueu. Ok, c'est bon, j'ai compris le truc. Yeah, impeccable. C'est juste genre méga physique. Bon, on prend notre temps, hein. D'ici une petite heure, peut-être. En fait, ce qui est beaucoup plus facile, c'est que la corde, elle se tend tout seul. Bah, désolé, au-dessous, hein. Moi, je me pose juste une question. C'est que tu m'as appris à remonter, mais tu m'as pas appris à redescendre. Et normalement, c'est quand même important, la descente. La descente, t'as aucun effort à faire, t'appuies sur ton nœud, tu redescends. Wow, là. Bonjour, bienvenue chez moi. Donc ouais, c'est toute cette branche-là qui est morte. En gros, oui. On a toute cette partie-là qui est morte. Allez, c'est parti, et la cage en direct. En plus, j'ai toujours trouvé ça stylé comme job quand même. Je voyais les gens le faire en ville. Mais de faire ça tous les jours, ça doit être bien aussi, t'es dehors. À part l'hiver. Il y a toujours des contraintes, mais il y a quand même beaucoup d'avantages. Quand il fait beau, t'es au soleil, il y a... Ah, c'est un peu physique de... et tout, je t'avoue, je suis trempé là. On a une petite demi-heure de temps, on est devenu très intime. Vas-y. Mais en tout cas, bravo à tous les élagueurs de France. Ça fait vraiment depuis le déconfinement qu'on fait pas du tout de sport. Et là, ça se ressent, je pense. N'oubliez les parachutes. Ça serait bien comme dans Battlefield. Putain, t'es ouf. Un mini parachute, tu sautes, t'appuies sur un bouton, tchou. En fait, en gros, pour redescendre, c'est un rappel normal. T'appuies. Ouais. Au lieu que ça soit un descendeur en acier ou. Ouais. T'as juste appuyé, tu vois, tu redescends. Ça y est, après une heure, ils ont enfin fini de tout couper là, les branches de l'arbre. Là, c'est le moment tant attendu. Il va redescendre. Bon, j'ai pas le temps. Oh putain, je l'ai mérité l'apéro là. Franchement, c'est trop bien, mais je le referai pas demain non plus. Ouais. C'est à faire avec précaution. Attendez, on va se reculer. Ouais, je connais un petit peu, souper, permis de sécurité. Ouais, c'est derrière. C'est le mec qui pied faire son travail, merci. C'est tellement moins impressionnant de bas, mec. J'ai l'impression d'être en haut de la tour Eiffel. Ah ouais. Ouais, c'est moi qui ai fait ça. Ouais. Laisse la pète là. Là, il fait une démonstration. Bon, en fait, au début, j'étais en mode. Ouais, c'est chaud, attends, il faut prendre la corde, sortir le pied, tirer dessus. Je comprenais pas trop comment le nœud fonctionnait. À la seconde où t'as mis l'échelle, je dis ok, c'est bon, je peux monter. Juste, ça va être physique. Bah, merci beaucoup en tout cas pour cette expérience, c'est unique. Bon, bah, on va se déshabiller. Du coup, on va chez toi. C'est ça. On va se prendre un petit apéro. Le moment de détente, le mérité quand même. Grandement mérité. Allez, c'est parti. Il est beau ton verre, avec des petits citrons. Mais ce qu'il me fait, maman. Ouais. Guigui sommelier. Non, t'aurais dû lui mettre un petit fond pour lui faire goûter. Ouais. Enfin, s'il n'était pas bouchonné. Même si avec notre bouchon, c'est impossible, mais... Ouais, toi, tu disais... On a commencé aussi, il n'y a pas très longtemps, à découvrir ça, à découvrir le vin et tout. Début août? Deuxième semaine d'août? Ouais. Ah ouais. Ah, là, c'est tombé pile poil le premier j'ai moment. J'ai dit mois d'août, gros. J'ai dit pour l'instant mois d'août. Le premier, c'était en Suisse, tu vois. Il y avait du rouge. Ils ont sorti un rouge sorti de la fromagerie, un truc du coin. Et c'est là que j'ai commencé. J'ai bu ce petit vin et je me suis dit. Et une semaine après, je crois que tu sortais ta vidéo. Et le timing, j'ai dit bon, on va goûter ça. Et 3 semaines à prendre avec le camion, mec. Franchement, son timing, il est vraiment parfait. T'es calé. Let's go. C'est beau. Messieurs, merci pour ton accueil et pour cette expérience incroyable. Santé. Merci à vous. Délagage. Ah, il est bon, hein. Après l'effort, le réconfort. Là, comme ça, au premier abord, tu vois, parce que j'ai pas beaucoup de points de comparaison par rapport aux Suisses. Il est un tout petit peu plus fort. Mais après, c'est toujours la première gorgée. Tu vois, après, il y a peut-être les arômes qui reviennent derrière aussi. Tu vois, première, deuxième. Quand t'as fini la première, premier verre, c'est bien. Quand t'as fini la première bouteille, tu sens encore plus les arômes. Tu consommes quand même beaucoup de YouTube. Bah, c'est bien, c'est quand je pars et que j'ai pas l'occasion de regarder, je sais que je suis occupé pour les 3 prochaines heures qui arrivent quand je rentre. Parce qu'après, sinon, je tourne en rond, je suis sur YouTube et je sais pas que regarder. Bien sur ma chaîne. Il y a 898 vidéos. Il y a des vieilles. Si je te suis depuis Super Connard. Ouais, ouais, j'avoue. Bah, c'est-à-dire que ça en fait déjà un petit paquet, hein, ça fait un petit moment. J'avoue, ça a commencé à faire 5-6 ans. Hein. Bon. C'est la fin, on va devoir partir. Oh la tristesse. Franchement. On va te laisser avec tes bouteilles dans la cave. À toi d'en faire une bonne utilisation. Mais en vrai, c'était super sympa. Et franchement, merci pour cette expérience. C'était vraiment ouf et unique. Bah, merci beaucoup. Merci et beaucoup. Nous, on va reprendre la route avec bien évidemment les gens qui n'ont pas bu d'alcool. Il est là, c'est bon. Allez, on est parti. Let's go. This is my country, my damn country. Give me my country, you can keep the rest. This is my country.
On est donc en direct de Pilat-sur-Mer et on va bien évidemment aller à la dune du Pilat. On va donc rencontrer un nouvel abonné qui s'appelle Adrien. Quelle est la particularité d'Adrien? Adrien n'a jamais bu une goutte d'alcool. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais effectivement Adrien n'a jamais bu d'alcool et sa première fois, eh bien, il voulait la faire avec nous avec une bouteille d'apport. Donc là on est en direction d'un camping. Bonne petite dégustation là après combien, 6 heures de route? On en fait des kilomètres Des braques. Non mais là c'est nickel. Les voisins ils ont une belle vue sur le camion. Bah bon, c'est Hervé, 118. Hervé. Ça fait 20 ans qu'on vient ici, tous les ans à la même date, au 119. Moi ouais, je vous montre un petit peu les locaux, comment ça se passe ici. Donc voilà, ici vous avez la terrasse, ouais. Voilà, pour la bureau notamment. Là-bas vous avez les voisins, là-bas c'est les Hollandais. Ça ils sont cool. Oh, bof. À éviter quand même. Ici vous avez le salon cuisine. Ici vous avez une première chambre avec deux lits. Deuxième chambre avec deux lits. Le camarade. Yes. Franchement, le camion est vraiment propre. J'aime beaucoup. Ça va? Hello. Adrien. Enchanté, Cyril. Enchanté, bienvenue au 119, The Place to Be. Alors ça nous vient d'où ça? Ça vient de Cuvray, sur Arcachon. Vous avez déjà goûté les cannelés? Pas du tout. Ah ouais? Ah vas-y, faut que vous goûtiez maintenant. Bah, je vais moi aussi. Waouh. C'est ouf. Ah oui, c'est vrai, donc du coup, ouais, je n'ai jamais bu d'alcool. Ça m'a jamais intéressé. Ouais. Et franchement, l'odeur, ça ne m'a jamais. Ouais. La dégustation, ça promet. Objectivement, je pourrais pas de donner de vrais avis. Non, mais d'un autre côté, faire sa première fois avec le vin à la porte, cool. Non, on fait de la vidéo YouTube. C'est Amixem. Non, il a perdu ses sourcils, il a dit. Let's go! À l'assaut de la dune du Pilat, enfin! J'ai quand même l'impression de faire du sur place. Ah, j'avoue, hey, mec, il t'a pas fait de cadeau. Est-ce que je peux utiliser mes chaises comme des piolets? Ne t'inquiétez pas, j'ai dompté l'Arctique. J'ai dompté les arbres. Bah, franchement, ça marche trop bien. Allez, Guigui! T'as déjà fait du drone? Jamais. Tu veux en faire? Pourquoi pas? Ça ferait rire mon père. Mon père, il travaille dans les hélicoptères et il est instructeur de drone. Ah oui? Ouais, il fait les deux secteurs à ma connaissance. Bah, tu diras que j'ai pas le permis. Mais regarde comme c'est. Allez. Regarde comme c'est beau. Dune 1, cheville de Guillaume 0. Regardez. Un élément végétal de la dune du Pilat. Un mouchoir usagé. Ah, mais la prochaine fois, ouais, je fais pas un camion, je fais un buggy. Ouais. Faut me le dire, moi. Un buggy de la porte. Franck, il fait des inserts sur les panards. Tu serais pas partisan du cinéma de Tarantino par hasard? Tu peux aller jusqu'à où là avec ça? Bah plusieurs kilomètres, après ça dépend de la zone. Putain, ils sont bien là avec leur petit bateau. Et là on va voir la dune du coup d'ici. Ah oui, d'accord. Regarde, j'adore, tu sais, les lignes de sable comme ça là. Et ça, là tu mets comme ça, petite musique, et là tu mets le texte, titre, Dune. Et c'est le trailer de Dune. Alright, nous allons passer à la leçon. Ah, c'est vraiment beau là, regarde ce plan, je vais te laisser sur ça, on va voir. Par contre, c'est vraiment, tu vois, genre comme ça quoi. Là, tu peux y aller un peu plus franco sur la hauteur et gauche-droite, sur ce même joystick. Là, tu peux aller, tu vois, genre. Ouais. Ah oui, tu fais déjà. Il est déjà professionnel, il va déjà tout doucement. Donc, c'est vrai, ça s'appelle un pan latéral en fait. Tu fais un plomb horizontal, c'est sympa quand t'as des grosses montagnes. Tu vois, c'est quand j'accélère, tu vois, il se re-stabilise. Ah oui, si tu lâches le drone, il reste sur place. Ouais, ça, c'est pour ça que c'est facile. C'est ça, en fait. Lewis Hamilton. Non, c'est franchement, c'est agréable. C'est facile. En vidéo, ça a l'air beaucoup plus compliqué. Si. Pas mal, pas mal. Avance encore un peu. Avance, avance. Et là, vas-y. Tout vers le bas, vas-y à fond. On va se poser, t'inquiète. Voilà, voilà. Voilà, monsieur. Oui, monsieur. Tu pourras dire à ton père qu'on n'a pas besoin de permis. Nickel, hein? Bel atterrissage. Merci. Messieurs, dames, après ce vol, il est temps de passer à l'apéro. Bon, on va passer à la dégustation, le fameux moment. De toute façon, déjà, de base, si tu n'aimes pas l'alcool, si t'as pas trop bu d'alcool, honnêtement, ça va être difficile d'apprécier. Ça va être difficile d'apprécier, surtout du vin. Ouais. Genre, ça, si c'était du Jet 27, ce serait passé. Sirop à la menthe. Voilà, ce serait passé. Là, on est quand même sur du vin, c'est un Juliena, c'est quand même 2018-2019, donc il y a. Je pense que si t'aimes pas, genre, il y a un problème. De toute façon, tout le monde nous a dit qu'ils aimaient bien. Donc, on se refoue, hein. C'est juste que tu seras le seul. Genre là. Fais-toi guider par le. Et tu suis le bord. Et tu l'as fait tourner. Voilà, c'est bien. Ah bah là, ça prouve bien que je suis un puceau de la bouteille. Hein. Non, franchement, ça va. C'est bon. Voilà, ouais, c'est ça bien. C'est propre. Et là, tu le finis. Tu le finis à la main, là. Tu tires un coup, là. Attention, ton t-shirt. Voilà. Ça va que le montage va faire en sorte que ça soit plus rapide. Ah non, on va tout laisser. Non, tout laisser. Là, ils vont me dire, mais c'est pas possible, ce mec a déjà bu. C'est un menteur, mais tu tapes des cuites. Moi, ce serait une fierté
qu'il aime le vin. Moi, je pense pas qu'il va aimer. Ouais, non, mais c'est possible qu'il aime pas, il y a beaucoup de chance. Mais si tu aimes, c'est fou, quoi. Attention à boire avec modération. Messieurs, une petite lampée. Santé. Dans les yeux. N'hésite pas aussi à dans les yeux. Ah, croise pas, malheureux. Oh. Franchement, c'est le grand saut. Là, le grand saut. Je vais envoyer le lien à ma mère et elle va être morte de rire. Hein. Elle va me dire enfin il s'est lancé le gamin. Le gamin. C'est bien Mathieu. Ouh la petite lampée. Ah c'est fort quand même. Ouais c'est fort. Bah, c'est juste que l'alcool c'est fort. Ouais. Ouais tu le sens quand même. Tu sens arriver là. C'est bien le fusti aussi. Franchement. Mais c'est ouf que t'aies jamais bu de vin. Je sais pas, trop ça bien. Va. Ça trop chauffe. Bien. Ouais, t'as un... Tu le sens ouais. Ah tu le sens passer. Ouais je le sens passer. Incroyable. Franchement c'est pas demain la veille que je vais en boire. Ouais. De mon côté. J'avoue. Le goût c'est une bonne surprise. Ouais. Ouais c'est une bonne surprise. C'est... Franchement. Alors qu'est-ce que tu ressens quand tu bois vu que t'as jamais bu d'alcool? Déjà je pense que tu dois être attaqué par l'alcool. Tu sens vraiment l'orge. Ça chauffe un peu ici. Ah ouais, direct. Ah ouais, sur cette petite lampe. Hein. Non, mais tu le sens, mais moi je la ressens un petit peu. Ah, moi je suis un coup. Oh là là, la lumière. C'est incroyable. C'est quel beau moment, bravo, super. Bon, et moi j'ai pas envie de mettre la haine, mais bon, moi je fais ça tous les jours. Quoi. Ah ouais. Ouais, bah moi j'habite à côté de la Tour Eiffel et de l'Arc de Triomphe, mon gars. Ah, et aujourd'hui, il y a un drap dessus. Ah ouais, tu vas faire quoi? Est-ce que t'as un drap sur ta dune? Est-ce que t'as un drap sur ton Arc de Triomphe? Peut-être un jour. J'ai une vue sur un parking et ça me va très bien. Aussi. T'as une sur un parking et sur t'as pas une cour d'enfant, l'enfer. C'est l'enfer. Le pire combo. Ah moi je. Allez, regarde, mets ton fromage sur le pain, genre. Un fromage au pain. C'est ça. Un fromage au pain. Non. Fromage au pain avec son petit coulis d'eau. On est vraiment les seuls à faire un gros apéro sur la dune avec une table et tout, alors qu'il pleut. Et là, j'ai ça. Et nous, on est là avec notre fromage. Je suis bien, là. T'es content de bosser avec nous? J'étais presque. Lui, en fait, son envie, c'était juste faire ça. Ouais, enfin, vraiment... Venir ici pour faire ça. Il faut que j'aille plus vite. Moi j'ai volé. J'ai volé. Bon. Bienvenue au 119. Écoute, merci pour cette petite visite de la dune du Pilat. On va aller manger tranquille et c'est tard. Et nous après on va reprendre la route. En tout cas j'espère que ça t'a plu. Avec, c'était génial. Ben, merci beaucoup pour cette rencontre. Alright, nous on va reprendre la route. On va faire un petit dodo avant quand même. Ça continue. C'est parti. Messieurs, dames, il est actuellement 7h du matin, écoutez. C'est ça le camping, le bruit des oiseaux. Il est temps pour nous de quitter ce beau bungalow, cette belle soirée au camping. On part en direction de Quimper. On a genre plus de 6 heures de route là, 6-7 heures de route. C'est du délire, on ne dort pas beaucoup. C'est la fête. Hop, hop, hop. Alright, allez c'est parti, le road trip continue. Petite pause, toujours sur la route de Quimper, on est arrivé du coup en Bretagne. Regardez comme c'est magnifique. Non mais les petits bretons ils nous disent pas tout hein. Vous avez vraiment des petits coins sympas. On se fait une petite pause miam miam, on va manger un petit coup. Regardez comme c'est sympa. Je vais vraiment commencer à squatter la Bretagne hein. Ça y est, je deviens un parisien. Bon, on a beaucoup roulé donc Oh il est crade là-haut, j'avais pas vu. Ah c'est un délire. On va le faire tout beau pour faire des beaux petits plans quand même. On va prendre soin de notre petit camion. C'est rempli de bêtes. C'est horrible pour les moustiques. Tous les petits insectes, on est vraiment des monstres. Il aime bien son camion. Oh, je vais le faire briller, tu vas voir. Barre-toi. Et tout ce qu'il y a, ouais, c'est horrible. Un fond blanc, là. Ah ouais, j'ai une faciale de car wash. Messieurs Plomelin, Ploveil, on arrive du coup en direction de chez Quentin, qui est le prochain candidat. Et il faut savoir qu'il a aussi un profil particulier puisqu'il est bijoutier, mais il crée lui-même ses bijoux. Donc on va aller dans son atelier, on va pouvoir créer peut-être notre propre bijou. Bien évidemment, vous connaissez la suite. Pour l'apéro. On est sur un village fleuri, 3 fleurs. Label national. Ah, moi, dans ma ville, il y avait 4 fleurs. Et au fil des années, au fil des années, on perdait nos fleurs. Ouais. Et bon
Bonsoir. Salut. Donc c'est ici ton, ton atelier? Ouais, c'est ça. La petite devanture, c'est médecine, tout ça. C'est pas trop bijoutier. C'est la couverture. Comme ça, je me fais pas braquer. Alors c'est ici que ça se passe. Un beau petit atelier. Et un stalker. C'est trop mignon. Ça, c'est quoi du coup? Tu peux nous montrer un peu les trucs? Ouais, carrément. Ça, c'est une lampe. Oh, la lumière. Waouh. Ça, c'est une binoculaire, c'est pour donc voir. C'est sur ça que tu taffes. T'es quel type de zoo? Oh là, ça va, c'est petit, c'est x10. x10. Est-ce que tu t'amuses parfois à regarder, tu sais, les petites bactéries, les microbes? Oui, carrément. Même quand je me coupe, comme je me coupe, ouais, je vais Wow, ça c'est et ça c'est suffisant du coup pour ouais, souder, tu même pour fondre. Ouais, tu vas fondre des trucs. Et du coup ton travail c'est de concevoir des bijoux, voilà, c'est ça. Et de les vendre en, à des boutiques qui vont le vendre aux gens. Voilà, ou je fais de la création surtout sur mesure pour des clients. C'est okay. Le bouche à oreille, ils sont venus. Voilà. On dit voilà, je voudrais une bague un peu comme ça et tu le fais sur mesure et tout. Au départ je faisais des réparations pour les magasins des alentours qui n'avaient pas d'atelier. Et au final je me suis fait une petite clientèle, du coup je fais des sur mesure. Et tu travailles avec quel matériau? Or et argent. Ouais. Ouais, je vais tout piquer. C'est quelle boîte? Tu peux, y a pas grand chose. Ça c'est déjà prêt, tu vas pas le faire fondre. Non, ça c'est prêt. C'est prêt, ah, donc tu vas graver un truc dessus. Okay, ouais. Ah, moi du coup je voudrais faire une tour Eiffel de 2 mètres. Ouais. Argent, or. C'est parti pour la confection d'un petit bijou. Ça me fait super bizarre de te voir. Ah ouais? On dit toujours, ah ça fait trop bizarre de te voir en d'habitude, vrai. D'habitude t'es sur ma table. Ouais. Non, je suis venu te hanter. C'est au-dessus de ton lit comme ça, ben, tu l'as. J'attaque? Ouais. Tu veux le tablier? Non? Ouais, c'est safe. Ouais, c'est safe. J'avoue que dans mes mains, tout devient un peu moins safe. Donc là, je pompe. Vas-y, pompe tout le temps. Ah oui. Et j'ouvre. Et tout. Ouh. Wow. Et je pompe toujours. Hein. Ah, toujours. Plus qu'est-ce que ça passe un petit peu. Si j'ai une petite musique et qu'on filme de derrière, t'as le rythme dans la poids. J'avais l'impression que ça allait plus vite avec toi quand même. Faut du cardio là. On n'arrête pas là. Bonjour monsieur, vous voulez quoi? Bonjour, bah, une petite bague s'il vous plaît. Ouais, je vous fais ça tout de suite. Ok, ça en 5 minutes, ça sera bon. Tu mets ton doigt. D'ailleurs, il me manque une dent là, il n'y a pas moyen d'avoir une en or. Ah ouais, là c'est la création de l'anneau sacré. Oh, c'est trop beau. C'est l'étape finale. Ah ouais. Quand c'est comme ça, ça veut dire que c'est bon. C'est bon, ouais. J'ai créé l'anneau, le précieux. Il n'y aura même pas besoin des étapes intermédiaires, là. On va pouvoir laminer ça direct. Ah ouais? Ah nickel. Tu peux forcer ou pas? Ou c'est, ah ouais, vas-y, c'est pas on peut voir si t'y arrives. Ouais, c'est bon. Mais après, j'avoue que ça doit être reposant, entre guillemets. Enfin, t'as le temps de... Ah ouais, de réfléchir. Tu vois, de réfléchir, ça doit être apaisant aussi comme travail. Ah ouais, carrément. Tadam! En vrai, il y a encore du taf, quand même. Mais il y a déjà un petit changement. C'est censé finir comme ça, quoi. Ouais, enfin, là, c'est moche. Ouais. Parce que mon lingot, il était vraiment éclaté. Ah, mais ça... Ah, si je mets mon doigt, tu peux le couper, non, avec ça? Ah ouais. Il y a mon bout de peau qui... Moi, tu pourras plus jouer. 62. Donc là, ouais, tu prends la taille du coup de mon doigt. Voilà, 62, donc 6,2 cm, plus 6, l'épaisseur 2. De la plaque. Et en fait, tu peux même tenir ton box fil qu'avec deux doigts. C'est vraiment l'outil, le poids de l'outil qui fait le boulot. Oh, cet outil me fait affreusement peur. Franchement. Eh, c'est marrant, franchement, je pense que ça avait l'air, mais facile comme un jeu d'enfant. Et... Je suis pas du tout droit. J'ai déjà... Regarde, j'ai fait un virage là. Ah ouais, c'est pas grave. J'ai pris une rocade. Ça ferait une vague conceptuelle. Voilà, clairement, on part sur de la vague professionnelle. Donc là, tu vas le plier avec ton gourdin. Ah, avec ça. Je vais prendre la forme sur mon tréboulet, puis envoyer à la main. Oh ouais, c'est tout facile. Là, je vais le... Oh. Ding. Nice. Ah, ça prend forme. Je vois que... Oh la gueule. Je vois rien du tout. Je suis inspecteur Guillaume. Ouais, c'est clairement c'est une bonne bague pour foutre des patates. Mais ça, du coup, les points, tu les fais en regardant dans ses jumelles? Ouais. Ah ouais, du coup, là, s'il y a une imperfection, tu la vois direct. Bon, bah, trop bien. Bah, merci beaucoup, en tout cas, pour cette expérience. Il est temps de passer à l'apéro. Let's go. Devant, il a repris le camion. Mais il a attendu combien de temps? Ça fait au moins une heure qu'il est devant. Ah oui, il est devant. Mais faut le faire quand même pour reconnaître le camion. Qu'est-ce que tu fais? Mais attends, pourquoi? Ah ouais, c'est vrai? Mais t'as quel âge? 22 du coup. Bah en fait je prenais mon chien. Je fais attends, je connais cette bouteille. Je suis venu voir et je fais ah putain et tout. Et j'ai Teco, je l'ai reconnu à sa voix. Et il m'a dit ouais, je travaille pour Cyril. Ah il est là et tout. Mais ouais, je fais ça dérange pas si j'attends et tout. Ça fait pas trop stalker et tout. Et j'ai jamais bu une seule goutte d'alcool. Ah ouais encore putain, on va tous les convertir.
Waouh, beau. Belle, hein. Battle Bouzet. Tu parlais bien des détails, c'est vrai. Du relief et tout. Ouais, elle est belle, hein. Hop, tu voulais faire une petite photo? Ouais, je vais faire une petite photo si ça te dérange pas. Super, bah merci. Au top. Tu veux que je vous accompagne au stade? Non, bah là, je suis déjà avec... Okay. Désolé, j'ai déjà un abonné, en fait. Excuse-moi. Donc, je vous passe au plusieurs tableaux. Mais ils en posent des choses. Bon, t'arrêtes de donner des bouteilles à tout le monde, toi, je te le dis maintenant. Donc, toi, t'as ramené des petits trucs spéciales Bretagne. La petite terrine bretonne. Alors ça, c'est le pâté, le fameux pâté Hénaff, c'est ça? Je sais même pas ce qu'il y a dedans. Ah bah, tu sais pas ce qu'il y a. C'est pas le fameux bocal, je sais pas ce qu'il y a. Toi, du coup, tu m'as dit que t'as déjà goûté. Oui. Elle a tenu combien de temps? Eh, quand même, hein, on l'a fait durer 3 jours. Ah, ça fait l'hiver. Savour. Ah oui. Ah. Et du coup, t'étais tombé comment sur la bouteille? T'avais vu les vidéos? Bah, la plus longue, là, je change de métier. Ouais. En plus, comme tu parlais d'étiquette avec l'or et tout. Ouais. T'as bien aimé le design? Ouais, carrément. Eh bien, merci pour ton accueil. Bah, merci, pour le déplacement. Mort. Dans les yeux, sinon, c'est en son sexe. Non, oh, J'en profite, on est tous ensemble, j'ai un truc pour vous. Oh! Ah ouais, là c'est lourd. Un petit souvenir. Sérieux? Trop bien. Oh! Stylé! Oh, mais non! Trop bien! Mec, c'est ouf! Trop mignon, j'ai savais pas si vous étiez bracelet ou pas. Ah, mais mec, en plus, moi j'ai pas de bracelet et j'avais grave envie d'en avoir un. Ah, mais t'as même fait la petite gravure, la petite poignée de porte. Tu nous as régalé là, tu nous as rincé. Du coup, je vous combien? T'as mangé des pâtes là-bas là, moi. Mon poignet vaut combien? Bah, merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Carrément. À la tienne. Allez, demain, on reprend la route, direction Tours. Et c'est bon. Messieurs, dames, il est temps pour nous de partir en direction de Tours. Nous allons voir Geoffrey qui est hypnotiseur. On a 5 heures de route. On va le rencontrer et on va vivre une session d'hypnose, du coup. Des bars. Allez, c'est parti. Direction Tours. Bonjour. Comment ça va? Bienvenue dans cette belle ville de Tours. Merci, c'est notre première fois à Tours. Enchanté. Alors c'est ici pour l'hypnose? C'est ici pour l'hypnose, ouais. Ça nous fait peur, on va peut-être faire demi-tour. Il est trop beau le camion. Franchement, le style un petit peu vintage mélangé avec le design moderne de la porte, là, c'est top. Et ici, on va se faire hypnotiser. Et c'est quoi tous ces livres? Bah c'est, il y a tout. Tu vois, ça va de Conan le Barbare à la téléologie néoplatonicienne de la transmigration des âmes en 5 volumes. L'hypnose, c'est vraiment une partie intégrante de notre vie. Chaque jour, on traverse une vingtaine d'états d'hypnose, voire plus, sans même s'en rendre compte. Et d'ailleurs, bah, pour ceux qui aiment jouer aux jeux vidéo, comme moi, le jeu vidéo, c'est un super exemple d'état d'hypnose. Moi, à la base, je suis anthropologue et historien des religions de formation. Et ma spécialité d'étude, c'était les rituels dans les sociétés polythéistes traditionnelles, mais qui existent encore aujourd'hui. Et donc, du coup, bah, j'ai été amené à voyager dans plein de pays du monde, étudier des rituels, les vivre de l'intérieur aussi. Et la toute première fois que moi, j'ai vécu un état d'hypnose, c'était dans un rituel religieux, en fait. D'accord. J'imagine que tu peux faire tellement de choses avec cette personne-là. Mais est-ce que toi, dans ton professionnalisme, t'arrives à mettre une barrière? Ok, là, je dépasse pas la limite, on arrête. Bah, je couche pas avec les patients. Oui, là. C'est clairement ce qu'il voulait dire. Non, c'était pas ça, mais... Par exemple, pour les addictions, des trucs qui sont vraiment bien ancrés dans l'inconscient, on lui propose des solutions positives derrière, quand on lui dit, non, bah tu vois, en fait, il y a ça comme alternative, et c'est quand même vachement mieux pour la personne. Je vais te demander d'appuyer sur mes mains. Voilà, une pression constante. Et de fixer ma cravate. Voilà, pareil, comme si c'était la chose la plus importante. Voilà, il y a un moment donné, dans la séance, tu peux basculer, tu peux même peut-être te retrouver sur le tapis, mais tu peux aussi rester sur tes jambes ancrées, c'est toi qui choisis. Dans tous les cas, moi, je serai là pour te retenir s'il le faut. Et à 3, je vais te dire « dors », et là, tu vas pouvoir plonger, mais 3 fois plus que tout à l'heure, dans cet état de détente. D'accord? 1. 2. Prends une profonde inspiration. 3. Dors. Descends, toujours plus agréablement. Tu peux retourner dans ce souvenir ou dans un autre et tu es bien, tu te sens super bien, super détendu, comme si plus rien n'avait d'importance, comme si, voilà, tu étais dans l'état de détente le plus total, le plus agréable. Décris-moi où tu es, qu'est-ce que tu vois? Je vois la plage, je me promène. Super, alors là, tout en restant dans cet état de détente agréable, eh bien, je vais te demander de te redresser. Voilà, en restant en état d'hypnose, tu vas pouvoir te redresser, je vais te donner la main et tu vas pouvoir remonter sur tes deux jambes. Bien, voilà, tranquillement, à ton rythme. Ah, je trouve. La température du corps augmente de 2 degrés en état d'hypnose, c'est normal. Wow. Ouais, tu veux pouvoir revenir parmi nous, là. T'as l'air de trembler et tout, c'est n'importe quoi.
quoi, du déo là quoi. C'est genre, c'est un truc de malade. Ouais, non, mais c'est ce qui m'a. Donc là, tu étais vraiment. Ouais. C'est... En fait, Moi, ce qui m'a fait vraiment bizarre, c'est quand il y a eu le 1 et 2, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas partir. Quoi, en 3 secondes, c'est impossible de partir. Ouais. Et en fait, dès qu'il y a eu le 3, dans ma tête, c'est ok, vas-y, laisse-toi. Et j'ai tout perdu. Et là, je me suis vraiment cru sur la plage. Là, c'est plus pour la démonstration. Ouais, là, c'est vraiment pour la démonstration. Ouais. Toi, t'es plus dans le dialogue avec les personnes et les ancres, justement, dans leur univers, des trucs comme ça, quoi. Donc, voilà, comme je disais, ça peut faire peur à des gens. Ouais, mais c'est que les gens comprennent, tu vois, que tu fais pas ça, genre, tous les jours, et que chaque séance, c'est pas ça. Là, c'est une petite activité, parce que, pour faire vivre un truc aussi visuel, mais j'imagine qu'une séance, c'est pendant une heure assis, à discuter, à partir de l'imaginaire. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on essaye quelque chose de plus doux, justement? Bah, ouais, moi, je suis open. j'aimerais vraiment, tu vois, que ressentir un truc que je contrôle pas, ou comme a pu le vivre Guillaume, tu vois, mais je sais que c'est pas facile. Est-ce qu'il y a quelque chose, justement, voilà, que tu aimerais... Alors, je sais pas si ça rentre dans les critères, mais ce serait la fatigue. La fatigue, le sommeil. Ça fait quelques années où, avant, je dormais, je sais pas, genre 10 heures, j'étais en méga forme. Et là, c'est peut-être pas assez, tu vois. Et j'ai vraiment des gros moments de fatigue, quoi. Je vais te demander de mettre les mains à plat, sur les jambes ou les accoudoirs, comme tu préfères. Et je vais te demander, dans un tout premier temps, d'imaginer que tu serres le poing, mais un poing imaginaire d'un bras totalement imaginaire que tu serres de toutes tes forces. Et fouf, tu relâches complètement. Où es-tu ? Décris-moi ce lieu. Je suis dans une petite forêt en bord de mer. Très bien. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as envie de faire dans cette forêt-là maintenant ? Je me promène. Super. Eh bien, profite tout simplement de cette agréable balade. Profite de cette agréable forêt. Ressens-la, vis-la avec tes cinq sens. Décris-moi ce que tu vis intérieurement, Cyril. Bah là, j'essaie, mais j'arrive pas, quoi. Je trouve pas, Même je vois plus du tout la forêt et la plage, je suis vraiment focalisé sur mon bras. Le détail de trop, trouve-le. Une grande bouée de bateau. Où est-ce qu'elle est posée, cette bouée, pour l'instant ? En plein milieu de l'océan. Très bien. Qu'est-ce que tu ressens quand tu touches cette bouée ? De la sécurité. Est-ce que c'est vraiment ça qui pose problème, puisqu'elle représente la sécurité ? Non. Qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Continue à explorer. Moi, la chose qui m'interpelle, ce serait les vagues. Il y a beaucoup de vagues. On est en plein océan, donc c'est assez agité. Très bien. Eh bien, je vais te demander, on va parler le langage de l'inconscient directement, en rencontrant l'une des premières personnes qui peuple cet inconscient, l'un des premiers archétypes. Je vais te demander d'invoquer, voilà, le seigneur des océans. Et quelle est son attitude ? Est-ce qu'il est plutôt serein, en colère ? On n'est pas très amis, je dirais qu'il est plutôt agressif. Eh bien, Cyril, on va faire quelque chose d'un petit peu particulier, parce que j'aimerais m'adresser directement à cet Apollo. Je vais donc compter jusqu'à 3, et à 3, l'espace d'un moment, celui-ci va pouvoir investir ton corps pour pouvoir s'exprimer par ta bouche. Ainsi, à 3, il pourra me dire ce qu'il a à me dire et entendre ce qu'il a à entendre. On y va. À 3, tu es ce personnage. Tu es Apollo. 1, 2, 3. Apollo, c'est bien cela ? Oui. On m'a dit que vous étiez le seigneur de cet océan, est-ce exact ? C'est ça. On m'a dit aussi que vous étiez un petit peu fâché avec Cyril, est-ce exact ? Je suis là pour assurer la sécurité. Très bien. Et est-ce que vous estimez que cette sécurité n'est pas suffisante ? Je pense qu'elle est nécessaire. La sécurité est nécessaire, bien sûr. Mais trop de sécurité revient à transformer les choses en prison. Et c'est peut-être ça qui étouffe un petit peu Cyril en ce moment. Et j'aimerais vous poser une question d'abord. Une question en lien avec le sommeil, parce que justement, j'aimerais que vous m'expliquiez le lien, justement, entre cette sécurité et ce sommeil médiocre, dirons-nous. Parce que ça demande beaucoup d'énergie d'être aux aguets. D'accord. Donc c'est cette vigilance continue qui prend cette énergie. C'est ça. Très bien. Je vais vous proposer quelque chose et vous me direz ce que vous en pensez. Au lieu que ce soit vous seul qui gériez toute cette sécurité, eh bien c'est que vous déléguiez à d'autres parties de l'inconscient. On pourrait imaginer que vous auriez voilà, toute une milice de tritons, des hommes-poissons voilà, qui garderaient cet océan, qui le surveilleraient et qui empêcheraient les intrusions. Qu'est-ce que vous en pensez, Apollo ? Pourquoi pas ? Comment il est cet équilibre ? Décrivez-moi un petit peu ce que vous avez mis en place. Il y a d'immenses tritons, des gens un peu qui me ressemblent, qui forment une immense rempart, comme une immense vague. Alors est-ce qu'on peut valider définitivement ce fonctionnement ? Oui, on peut. Parfait. Eh bien, Apollo, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Eh bien, Apollo, je vous souhaite une magnifique exploration de cet océan. Et Apollo repart. Voilà, et c'est à Cyril que je m'adresse à nouveau. Ah ! Intéressant. Le voyage s'est bien passé. Intéressant. Le voyage s'est bien passé. Le début était hyper dur. Tout ce qui était vraiment de ressentir les sensations, j'avais pas grand-chose. Par contre, dans le dialogue, dans le fait de, voilà, d'imaginer et de créer cette histoire, et ça a bien marché. Je dirais que ça m'a aidé à visualiser des choses et à me projeter beaucoup. Je me projetais vraiment au réel, quoi. Et voilà, c'est déjà... Comme des hommes tritons, quoi.
Ouais. Exactement. Mais enfin, si tu veux, j'ai conscience que il est. Enfin, pour moi, il était pas réel, mais il représentait quelque chose. Ouais. Tu vois. Ça a fait résonner un peu plus de vérité. Bah très cool. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour cette expérience. Avec plaisir. Bah écoute, on va pouvoir se prendre un petit verre. Carrément. Un petit verre tranquillou et se poser et reprendre un petit peu nos esprits. Ouais. Merci pour ton accueil. Eh bien, merci pour cette petite plaisir. Séance. Merci pour le vin. Ouais. Santé. En plus, on a des bonnes petites pizzas végétariennes, fait maison. Moi, à la base, forcément, je viens de Belgique, donc je suis plus bière à la base. Mais bon, je suis arrivé en France il y a quand même une quinzaine d'années maintenant. Donc, Et comment t'es tombé sur la vidéo, du coup? Tu suivais déjà un peu la chaîne ou... Bah, j'étais abonné. Non, c'est ouf parce qu'il y a tellement de profils différents qui sont abonnés à la chaîne. T'as des sujets hyper variés. Donc c'est pour ça aussi, je pense que t'intéresses plein de profils différents. Ouais, c'est clair, ouais. Il y a ce côté un peu épicurieux, des formats un peu du web. Je vais te le confesser, mais les vidéos sur Fortnite, ça me parle pas beaucoup. Non, mais... J'adore les jeux vidéo, mais pas les Battle Royale, tu vois, c'est pas vraiment mon truc. Ouais. Après, ça va commencer à disparaître un peu, les chaînes comme ça. On va dire qu'il y a encore quelques années, on était vraiment une communauté un peu homogène, où tout le monde avait un peu les mêmes points d'intérêt et pouvait facilement outrepasser leur quotidien et leur passion. Par curiosité. Ouais. Aujourd'hui, Internet et même les vidéos YouTube, c'est tellement vaste que les gens, ils veulent plus trop se perdre. Ouais. Tu vois, ils veulent vraiment... Comme la télé, en fait. Ils veulent leur sécurité, et se rassurer et se dire, oh, moi, je regarde juste ça. Et c'est un truc qu'on me dit de plus en plus, tu vois. Bon. Messieurs, dames, on va finir le repas. On va se retrouver. Merci pour cet accueil. Ah, bien rentrer à la maison. Messieurs, dames, c'est la fin de cette petite aventure. J'espère que ce petit road trip vous aura plu. Nous, en tout cas, on a kiffé. On s'est fait kiffer, écoutez. Ça m'a fait grave plaisir aussi de rencontrer des abonnés avec des profils bien sympas, tous différents. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire. Bien évidemment, je ne me promène plus en bouteille désormais. Attention, les dernières ventes sont lancées. C'est dans la description, c'est les dernières bouteilles. Faites-vous plaisir. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien évidemment. J'attends vos retours dans les commentaires. Pour ceux aussi qui ont déjà pu déguster le vin, donnez-nous un petit peu votre avis. Je ne sais pas s'il y aura une cuvée de 2021, je sais pas. L'avenir nous le dira. Vous retrouvez les informations dans la description. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt !